conduit. Je me suis couché tard, mais c'était pour une bonne raison. Il a joué au poker. 120$ de bonne raison. On est allé chercher un café au McDo. Puis on s'en va bruncher chez Lisa. Fait que, on est en route. On s'est quand même pris un petit quelque chose à manger avant parce que j'aurais pas toffé la route sans avoir mangé rien. Il annonce la pluie cet après-midi. J'ai peur de voir. Là, pour l'instant, la route, elle va super bien. On est parti à 8h. Il est 10h20. Puis, on a un petit garçon. Ah, c'est des autobus jaunes. Maudit. Puis, il y en a trois. Ah, ouais. Pour une fois que c'est moi qui les vois. Puis, non, ça a l'air bien été. Zach, il a battu comme un champion. Il a écouté son film, là. C'est sûr qu'on l'a fini un peu en chocolat, puis en compote, puis en biscuit. T'as de l'âge out, chien out, genre. Ok, on est en route. Et ça va être vraiment le fun. Puis ça va être bon. Un brunch, c'est toujours bon. Puis mon amie qui habite dans ce coin-là est à Val-des-Monts. On est censé aller faire un tour chez elle après. Mais c'est comme plus sûr. Peut-être, peut-être pas. Fait qu'on. On va voir. Un autre de pigeon. Ça coûte pas cher, mais chez Costco, c'est souvent spécial. Ouais, c'est ça. Ah, là, c'est comme double vlog. C'est giga. Oui. Ouais, avec la bédaine. Mais c'est vrai que ma bédaine a de la carré à couper. Il y avait du vent dans son micro! C'est sûr que c'était du vent, moi je pensais que c'était plus de distorsion. Ah ouais! Qu'on vient de partir. Ça ressemble à ça. On vient de partir de chez Lisa et Michel. C'était vraiment le fun. Puis là, on hésitait à savoir si on allait rejoindre mon ami Marc-Claude chez lui à Val-des-Monts. Parce que Zach, il a fait un pic de fièvre, mais là, il a donné du Sénol, puis il va un peu mieux. Puis tant qu'à être dans le coin, on est à une demi-heure de chez Marie, fait qu'on va y aller, on va juste aller faire un petit tour. Puis on se prend un café glacé pour la route. Je vais avoir busté ma dose de café pour la journée, mais c'est pas grave. Au pire, je vais avoir un bébé qui va beaucoup bouger dans le ventre. Fait que, on est en route, on va prendre notre café, puis on va monter à Val-des-Monts. On s'en va vraiment... dans les côtes. T'es-tu prête? C'est des vallées ou des monts? C'est des vallées puis des monts. Ah. Raconter notre mésaventure
au McDonald's de Gatineau. Attention, ça va tomber. Non, il fait juste shaker. Il y a du dépasse à qui je vais la tenir. Okay. On est allé au McDo à Gatineau, puis on a demandé deux cafés glacés. Moyen. Premièrement, il y avait beaucoup de distorsion dans le micro. On n'entendait pas grand-chose. Mais il est froid, là, c'est qu'en ce moment, les cafés glacés sont à 1$. Fait que théoriquement, que tu sois à Montréal ou que tu sois à Gatineau, les cafés glacés sont à 1$. Puis quand on est arrivé pour payer, il nous a dit que ça coûtait 4 et quelque chose. Fait qu'on lui a dit, ben c'est pas 1$ le café glacé. Puis le garçon du haut de ses 14 ans, je suis généreux, je pense. Il savait pas quoi faire. Il nous avait fait payer. Il nous a demandé d'avancer à l'autre guichet, de parler à son gérant qui devait avoir 15 ans. Non, il avait l'air d'avoir genre 17. OK. Puis finalement, il est allé, genre, il nous a remboursé nos cafés. Fait qu'il nous a remboursé 4$, puis il nous a donné nos deux cafés, mais après genre 7 minutes. Fait qu'il y avait une grosse file en arrière de nous qui devait être fâchée, mais on voulait juste nos cafés à 8$, puis finalement, ils nous ont rien coûté. Bref. On n'est vraiment pas du genre à chialer sur le service d'habitude. Mais là, j'étais comme, ben voyons, tu sais, il me semble, mon père rembourse 2 et quelques. Mettons, c'était. T'appelles ça du service? Ben, c'était les employés de la fin de semaine, là. Tu sais, ils ont trouvé dans une boîte de Cracker Jack. Non, mais tu sais, c'est très clairement les jeunes que la semaine sont à l'école puis que la fin de semaine, ils travaillent au McDonald's. Ça fait du sens. On a tous passé par là. Ouais. Non, pas toi, t'as pas travaillé au McDonald's. Non, j'ai pas travaillé au McDonald's. Moi, je travaille au Burger King. Et travailler à l'école de la vie. Mon Dieu! Tiens-toi! Tiens-toi! Là! Exact, il est pas sûr. Attends, attends. Ça tourne pas assez. Faites moins vite, Zach. Faites moins vite. Attends. OK, il fait vraiment le tour de la maison, lui-là, là. Hey, il va pas tomber, non? OK. Ben là. Tiens-toi, Zach. T'es-tu en camion? Hey, c'est une méchante belle pente, ça! Tiens-toi, Zach! Ça, ce serait peut-être quoi qu'il faudrait qu'on ajoute. Ouais. Oh, attention, Zach! Oh oui! Oh! Zach, il a peur de l'auto!